Le comédien Bruno Sanchez, actuellement au casting de la série HPI sur TF1, évoque comme rarement son fils et sa fille, et son rôle, dans la vraie vie, de papa. Un papa très protecteur. Révélé au grand public il y a plus de 10 ans grâce à son duo avec Alex Lutz dans La Pastille de Canal plus Catherine et Liliane, Bruno Sanchez enchaîne depuis les rôles sur petit écran. On retrouve effectivement le comédien au casting de la série L'école de la vie sur France 2, ou encore dans HPI, dont la troisième saison bat actuellement son plein sur TF1. Les trois premiers épisodes de cette salve inédite ont d'ailleurs encore réalisé de très bons scores d'audience, en réunissant entre 7 et 8 millions de téléspectateurs, soit plus de 35% de part de marché. Bruno Sanchez, j'ai envie que mes enfants conservent certaines valeurs. À la ville, celui qui incarne le lieutenant Gilles Vendreau aux côtés d'Audrey Fleurot, est aussi un père très protecteur. Je suis un papa inquiet avec mes enfants, reconnaît l'acteur dans les colonnes de Télépoche, cette semaine. Celui qui a fondé une famille avec sa compagne photographe, entend transmettre sa philosophie de la vie à sa fille de 9 ans et son petit garçon de 6 ans. J'ai envie qu'il conserve certaines valeurs. Mais ils croiront à ce qu'ils voudront, je suis assez ouvert, confie celui qui est depuis le 12 juillet 2023 à l'affiche du film Petit Jésus, une comédie qui parle justement d'amour et de croyances personnelles, comme il l'explique, et plus tard du long métrage de Mathieu Thury Gueule Noire, attendu pour la fin de l'année. Bruno Sanchez victime d'un grave accident. Bruno Sanchez a d'ailleurs beaucoup revu sa façon de voir la vie depuis le début des années 2000 et un grave accident durant un cours de danse qui aurait pu lui être fatal, sur le moment j'étais tétraplégique. Ma colonne, mes disques ont explosé et ma moelle épinière s'est sectionnée, avait-il expliqué au micro de France Inter. Je n'ai plus le même rapport à la vie. Avant l'accident, je me sentais fort comme un homme de 20 ans. Et là, la vie te dit si je veux, je te prends. C'est une chance d'être vivant, assurait-il également dans Le Parisien.